Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lui donner toute la gloire qui lui est due, nous allons lui donner toute la reconnaissance qui lui est due. Nous allons le remercier pour cette semaine. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il a pu opérer, pour toutes les fois où il nous a renouvelés, pour toutes les fois où il nous a fortifiés. Est-ce que de là tu te trouves, tu peux commencer à bénir ton Créateur? Est-ce que de là tu te trouves, tu peux commencer à honorer celui-là même qui prend soin de toi? Est-ce que de là tu te trouves, tu peux commencer à exalter celui-là même qui te garde, qui vraiment qui te sécurise? Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire gloire soit rendue à lui? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire Seigneur, tu es bon pour ma vie et je veux t'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu peux élever la voix et dire Seigneur, sans toi je ne suis rien, sans toi je n'ai aucune valeur. Sans toi Jésus, je n'ai point de force. Sans toi Seigneur, où irai-je? Est-ce que tu peux élever la voix et dire à l'Éternel des armées qu'il est digne d'adoration, qu'il est digne de gloire, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être magnifié, qu'il est digne d'être exalté, qu'il est digne d'être glorifié, qu'il est digne de recevoir l'exaltation, qu'il est digne de recevoir l'honneur, qu'il est digne de recevoir la magnificence, qu'il est digne de recevoir vraiment, vraiment, vraiment toute la reconnaissance, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être magnifié, qu'il est digne de recevoir toute la louange qui lui est due. La Bible dit en 1 Chroniques 16, verset 25, l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel est grand et très digne de louange. Waouh! Waouh, waouh! L'Éternel est grand et très digne de louange. Dis avec moi, l'Éternel est grand et très digne de louange. Dis encore une fois, l'Éternel est grand et très digne de louange. Notre Dieu est grand et très digne de louange. Que ta louange ne fluctue pas en fonction des situations. Que ta louange ne fluctue pas en fonction de ton humeur. Que ta louange ne fluctue pas ou ne soit pas influencée en fonction de ce que tu vis. Que ta louange ne soit pas variable. Mais que tu puisses élever la voix et que tu puisses magnifier ton Dieu. Que tu puisses élever la voix et que tu puisses glorifier le Seigneur. Il y a des personnes, quand elles vivent des épreuves, il y a des personnes, quand elles traversent des situations difficiles, leur louange est fluctuante. Leur louange est variable. Leur louange a tendance à vaciller. Leur louange a tendance à vaciller de droite et de gauche à cause de la situation, à cause de l'épreuve, à cause de leur humeur. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous élevons, il ne faut pas que ta louange varie. Au contraire, que tu puisses le louer en toutes circonstances, que tu puisses l'adorer en toutes circonstances, quelle que soit la saison que tu traverses, que tu sois dans une saison d'été, loue ton Dieu, que tu sois dans une saison de printemps, loue ton Dieu, que tu sois dans une saison d'automne spirituel, loue ton Dieu, quelle que soit la saison spirituelle que tu traverses, que tu sois au désert, loue ton Dieu, que tu sois dans la fournaise ardente, loue ton Dieu, que tu sois dans la fosse au lion, loue ton Dieu, que tu sois face à une montagne, loue ton Dieu. Quelles que soient les épreuves, les challenges, les défis qui te font face, élève la voix et magnifie ton Créateur. Élève la voix et magnifie celui qui t'a racheté. Élève la voix et magnifie celui-là même qui t'a permis de passer des ténèbres à la lumière. Élève la voix et magnifie celui-là même qui te pardonne de tout péché. Élève la voix et magnifie celui-là même qui sèche tes larmes. Élève la voix et magnifie celui-là même que quand tu sens la solitude se peser sur ta vie, il te dit je suis avec toi. Élève la voix et magnifie celui-là même qui prend soin de toi, qui prend soin de ta famille, qui te donne la force et le courage de te lever chaque matin. Élève la voix et magnifie celui-là même qu'on appelle admirable, celui-là même qu'on appelle conseiller, celui-là même qu'on appelle prince de paix, celui-là même qu'on appelle prince d'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Il est amour. Est-ce que tu peux magnifier celui qu'on appelle l'amour? Est-ce que tu peux exalter celui qui a tout donné pour toi? Est-ce que tu peux élever celui-là même qui a donné son fils unique afin que tu sois racheté? Est-ce que tu peux élever la voix et être reconnaissant à celui-là même qui s'est fait malédiction afin que tu puisses vivre et connaître la bénédiction? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de celui-là même qui s'est fait pauvre afin que tu sois riche spirituellement et physiquement? Est-ce que tu peux élever la voix et vraiment reconnaître la grandeur de ce Dieu, reconnaître la bonté de ce Dieu à ton égard, reconnaître qu'il a tout pourvu pour ta vie?
vie. Reconnaître qu'il est à tes côtés. Reconnaître que même si tu as été trahi, même si tu as été blessé, même si tu as été fracassé, il est celui qu'on appelle réparateur des brèches. Est-ce que tu peux élever la voix? Quel que soit ce que tu endures, quelle que soit la teneur, l'intensité de la situation par laquelle tu traverses, est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, merci pour ma vie? Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Je t'en prie que tu sois au Royaume-Uni, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois dans les dom-tom, que tu sois, quelle que soit la nation où tu te trouves actuellement, quel que soit le pays où tu te trouves actuellement, quel que soit le continent tu te trouves actuellement. Je sais que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un changement. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a une action du Saint-Esprit. Je t'en prie, ne sois pas dans la distraction, mais tu es venu à un rendez-vous divin. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne t'es pas connecté par hasard. Je t'en prie, ferme les yeux et commence à bénir le nom de ton Créateur. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel des armées qui combat pour ta vie. Commence à élever le nom de celui-là même qui prend soin de ton époux, qui prend soin de tes enfants. Commence à élever la voix. Je t'en prie, ne sois pas dans la distraction. Éteins la radio, éteins quel que soit ce qui pourrait être une distraction pour toi. Et commence à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que quand tu es seul, il te dit, je suis là avec toi. Celui-là même que quand tu pleures dans ta chambre en secret, il te dit, prends courage, je suis là et ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Celui-là même que quand tu es dans l'inquiétude, dans le doute, quand ton cœur est troublé, quand tu n'as pas la paix, il te dit, je suis la paix et je te donne cette paix qui surpasse tout doute, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute inquiétude. Celui-là même que quand tu es dans le trouble, dans la confusion, dans le brouillard, tu ne sais pas dans quelle direction te trouver, tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu ne sais pas si tu dois aller à droite, à gauche, en horizontal, en diagonale ou en verticale. Il te dit, je suis là et je suis là pour guider tes pas, car je suis la lampe, je suis celui-là même qui est la lampe, je suis celui-là même qui apporte la lumière sur ton sentier. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de celui-là là même qui te réconforte? Combien bien que tu sens le besoin d'avoir quelqu'un sur qui reposer ton épaule? Combien même tu sens le besoin d'avoir quelqu'un sur qui reposer ton épaule? Parce que des fois tu es fatigué, des fois tu en as marre de la situation par laquelle tu traverses, des fois tu es fatigué de ta vie, des fois tu es fatigué de la situation qui perdure depuis des années, tu es fatigué de la maladie, tu es fatigué de la situation de tes enfants, tu es fatigué, tu cries à Dieu, tu pleures à Dieu, tu as jeûné, tu as prié, mais jusqu'à aujourd'hui rien n'a changé. Et des fois tu sens le besoin qu'une épaule se tende devant de toi pour que tu puisses reposer ta tête. Mais c'est celui-là même qui te dit, je suis sur qui reposer ta tête, je suis sur qui, celui sur qui tu peux reposer la tête, je suis celui sur qui tu peux reposer, te reposer en moi, car je suis le repos, car je donne le repos et je suis le repos. Tu commandes bien que quand tu es fatigué, combien bien que tu réfléchis, combien même que tu ne comprends pas, combien même que tu es dans la confusion, Dieu te dit, je suis celui qui apporte l'éclaircissement dans ta vie, je suis celui qui apporte la lumière dans ta vie, je suis celui qui apporte la solution à ton problème, je suis celui qui ouvre tes yeux. Combien bien que malgré les larmes qui coulent sur ton visage, malgré les larmes de confusion, les larmes d'inquiétude, les larmes d'angoisse, les larmes d'anxiété, je suis celui qui vient t'apporter la paix, je suis celui qui vient t'apporter la solution, je suis celui qui vient ouvrir le chemin pour ta vie. Combien de fois tu as frappé à des portes, combien de fois tu as frappé à droite et à gauche, combien de fois tu as frappé depuis des mois, des semaines et des années, les portes ne s'ouvrent pas. Il dit, je suis la porte, je suis celui qui ouvre les portes, et quand je dis un mot, personne ne peut fermer. Quand je dis une parole, personne ne peut aller à l'encontre de ma parole. Quand je dis une parole, personne ne peut se tenir contre ce que j'ai déclaré. Il est celui qui ouvre les portes pour ta vie, il est celui qui ouvre les portes. Wow! Il est celui qui ouvre les portes. Oh,
de rentrer. Personne ne pourra t'empêcher de rentrer dans ces portes. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de celui qui ouvre les portes pour ta vie? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de celui qui a posé le sceau de son alliance sous le dossier où il y a ton nom qui est écrit? Est-ce que tu peux élever la voix? Toi qui as déposé un dossier, toi qui as déposé un courrier, toi qui as déposé un dossier en cours, est-ce que tu peux élever la voix? Qui est celui-là même qui déploie ses anges afin que ses anges puissent te favoriser? Parce que la faveur de Dieu est en train de se favoriser sur ton dossier. La faveur de Dieu est en train de se favoriser là où ton nom est écrit. La faveur de Dieu est en train de se matérialiser pour ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix depuis ton salon, depuis ton travail, depuis le canapé où tu te trouves, depuis la cuisine où tu te trouves, là où tu es actuellement sur ta terrasse? Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de celui qui t'a racheté, le nom de celui qui t'a béni, le nom de celui qui prend soin de toi, le nom de celui qui ouvre les portails pour ta vie, le nom de celui qui te bénit chaque jour et qui permet que tu respires? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de celui qui a ôté les péchés, qui a permis que tu passes des ténèbres à la lumière? Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier sa seigneurie et exalter son nom, glorifier sa personne? Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'acclamation, il est digne d'élever, il est digne d'exalter, il est digne d'être vénéré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être ovationné, il est digne de recevoir ta louange en cet instant, il est digne de recevoir tes acclamations en cet instant, il est digne de recevoir ton exaltation en cet instant, il est digne de recevoir tes prières en cet instant, il est digne de recevoir ton adoration, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu rédempteur, le Dieu réparateur des brèches, le Dieu qui t'a enlevé de la poussière, toi qui avais la face contre terre, toi qui étais oppressé, toi qui étais abattu, toi qui étais emprisonné dans une prison quelconque, Dieu qui t'a délivré, le Dieu de ta délivrance, le Dieu qui opère pour toi, le Dieu qui te donne l'excellence, le Dieu qui te bénit chaque jour, le Dieu qui te donne à manger, le Dieu qui pourvoit tes finances, le Dieu qui te permet de payer des factures chaque mois, le Dieu qui te permet de respirer, le Dieu qui te permet de te mouvoir, le Dieu qui te permet de parler, le Dieu qui te permet de voir, le Dieu qui te permet d'entendre, le Dieu qui te permet de respirer. Est-ce que tu peux élever la voix et lui donner toute la reconnaissance qui lui est due? Est-ce qu'il y a un homme, une femme aujourd'hui qui est connecté depuis sa maison, qui est connecté depuis son travail, qui est connecté depuis un lieu actuellement et qui peut honorer la Seigneurie, qui peut honorer la majesté des majestés, qui peut honorer le Dieu trois fois saint, qui peut honorer le Dieu qui répare, qui arrange toute situation, quand même bien que la situation semble irrésolu, semble ne pas avoir de solution. Il est le Dieu qui apporte la solution. Quand la situation semble être bloquée, quand la situation semble être sans issue, il est le Dieu qui crée une issue spécialement pour toi. Il est le Dieu qui fait un chemin spécialement pour ta vie. Je t'en prie, est-ce que tu peux élever la voix et remercier ce Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et le magnifier? Je t'en prie, Dieu attend ta louange. Dieu attend tes prières, Dieu attend ton adoration, Dieu attend que tu puisses ouvrir cette bouche que tu as, qu'il t'a donnée, afin de l'élever de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je t'en prie, femme, je t'en prie, homme, je t'en prie, famille, toi qui entends le son de ma voix, je t'en prie, le Dieu rédempteur est là, le Dieu souverain sacrificateur est là, le Saint-Esprit est au rendez-vous encore aujourd'hui. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée depuis ton salon. Mets-toi à genoux, lève les mains et adore-le de tout ton cœur. Mets-toi à genoux ou encore parle-lui, dis-lui merci pour tout ce qu'il a opéré pour toi. Toi qui as connu le divorce, toi qui as connu la séparation, toi qui as connu le trouble, toi qui as connu la maladie, toi qui as fait face à la mort, Dieu, c'est ta grâce, par la
tu es là, oh my God. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore debout. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore en vie. Je t'en prie, sois un homme reconnaissant. Je t'en prie, sois une femme reconnaissante à ce Créateur. Sois lui reconnaissant. Celui-là même qui te garde chaque jour. Si simplement s'il pouvait t'ouvrir les yeux, il te permet de voir que tous les combats, toutes les flèches qui volent de jour comme de nuit autour de toi et qu'il te sécurise, qu'il prend soin de toi, qu'il combat pour ta vie, qu'il déploie des anges pour ta vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour ta présence parce que tu as encore rendez-vous encore aujourd'hui. Merci pour ta présence, Seigneur. Car Père, depuis une maison, depuis un appartement, depuis un jardin, depuis un travail, depuis la rue, depuis une voiture, depuis une terrasse, il y a une personne qui élève la voix avec toi et qui reconnaît ces différentes facettes que tu as manifestées à son égard, qui reconnaît que tu es amour, qui reconnaît que tu es consolateur, qui reconnaît que tu es celui qui ouvre les portes, qui reconnaît que tu es celui qui favorise, qui reconnaît que tu es celui qui donne la faveur, même aux yeux de nos ennemis. Seigneur, il y a une personne aujourd'hui qui est là et qui dit, Seigneur, merci pour ma vie. Il y a un homme, une femme, il y a une personne qui fait partie de ton corps, qui reconnaît, Seigneur, que tu es bon pour sa vie, que tu es bon malgré les entraves, malgré les difficultés, malgré toute forme d'oppression, malgré toute forme de persécution, malgré toute forme de jalousie, malgré toute forme d'embuscade, cette personne reconnaît que tu es bon. Et Seigneur, nous voulons ensemble des cœurs unis. Nous voulons ensemble, Seigneur, car nous ne sommes pas là pour un homme ou pour une femme. Mais nous sommes là pour toi. Toi qui es Dieu. Toi qui es admirable. Toi qui es le prince de la paix. Toi qui es amour. Toi qui es le souverain sacrificateur. Toi qui es l'excellence des excellences. Toi qui es le magnifique des magnifiques. Toi qui es le juge des juges. Toi qui es l'avocat des avocats. Toi qui nous justifie en toute situation. Toi qui es un Dieu bon et miséricordieux. Nous voulons ensemble élever la voix. Quelle que soit la distance qui nous sépare. Quel que soit le nombre de kilomètres qui nous sépare. Car nous savons que la distance n'est pas une barrière pour toi. Nous savons que la distance n'est pas une limitation pour toi. Et nous voulons élever la voix avec toi. Toi, le Dieu magnifique. Toi, le Dieu trois fois saint. Toi, le Dieu Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Sikenou est ton nom. Emmanuel est ton nom. Le lion de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. Nous voulons honorer ta Seigneurie encore aujourd'hui. Nous voulons honorer ton nom, toi le Dieu guérisseur. Toi le Dieu des miracles. Toi le Dieu qui change une situation. Toi le Dieu qui amène la paralysie à la mobilité. Toi le Dieu qui amène l'aveugle, la cécité à la voie, à ce que nous, la personne puisse voir. Toi qui amène, Seigneur, le sida à la guérison. Toi qui amène un handicap, une paralysie quelconque à une guérison totale. Toi qui amène le cancer à être détruit et tu appelles à une restauration. Tu amènes à une guérison. Toi qui changes et qui guéris les cœurs brisés et blessés. Toi qui sèches les larmes de ceux qui pleurent en secret. Toi qui guéris les cœurs de ceux qui sont meurtris, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont embarrassés, de ceux qui sont, Seigneur, dans la lassitude. Toi qui apporte le réconfort, toi qui apporte le courage, toi qui apporte la force, nous voulons célébrer ta personne encore aujourd'hui. Nous voulons te dire, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons, Seigneur, te dire, excellence des excellences, médecin des médecins, chirurgien des chirurgiens, avocat des avocats, Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne sur toutes les nations, le Dieu qui règne sur nos vies. Nous voulons élever ton nom encore aujourd'hui. Nous voulons élever ton nom sur nos vies, là où nous sommes, dans le lieu où nous sommes. Nous voulons élever ta Seigneurie. Nous voulons élever ta personne, car nous reconnaissons qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous pourrons chercher à droite et à gauche. Nous pourrons chercher à droite et à gauche.
citadelle pour plusieurs. Tu es un ami, un meilleur ami pour plusieurs. Tu es celui-là même qui est le réconfort pour plusieurs. Tu es un papa pour plusieurs personnes. Tu es, Seigneur, celui-là même qui nous garde et nous sécurise. Et nous voulons te dire, gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ta personne. Gloire soit rendue à ta majesté. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu des dieux. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Personne n'y est ni à la hauteur, ni à la dimension de ce que tu es. Personne n'est à la hauteur, ni à la dimension de ce que tu fais. Nous voulons te bénir pour notre vie. Nous voulons te bénir pour nos familles. Nous voulons te bénir pour nos parents. Nous voulons te bénir pour notre conjoint. Nous voulons te bénir pour notre conjointe. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu opères et tout ce que tu opéreras encore. Nous voulons te bénir pour la faveur sur nos vies. Nous voulons te bénir parce que tu apportes la solution à nos vies. Nous voulons te bénir, Seigneur, car tu signes avec qui nous remplit de force, de courage pour continuer la marche avec toi. Nous voulons te bénir, Seigneur, dans les temps où nous sommes. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont dans des meurtrissures, beaucoup sont dans des souffrances, beaucoup sont dans l'interrogation, beaucoup se posent des questions par rapport à leur avenir, beaucoup se posent des questions par rapport à leur vie civile, beaucoup se posent des questions par rapport à leur ministère, beaucoup se posent des questions par rapport à des directives de leur vie, beaucoup se posent des questions par rapport à leurs enfants. Mais malgré tout, Seigneur, nous savons que tu as réservé le meilleur pour nos vies. Malgré tout, Jésus, nous savons que tu as disposé, Seigneur, pour nous un meilleur lendemain que celui d'aujourd'hui. Malgré tout, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi et nous posons nos regards sur toi, car nous savons que, Seigneur, avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons le salut. Avec toi, nous avons la rédemption. Avec toi, nous avons la réussite. Avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons le succès. Avec toi, Seigneur, nous gagnons. Avec toi, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Avec toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oh my God, Roboshéke. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et bénir le nom de son Créateur? Bénir le nom de Jéhovah Jireh. Bénir le nom de Jéhovah Shammah. Hey! Yesaka rabata kanroboto korobo shikiriba usante. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ha ha ha. Hey hey hey. Inya ha saka rabasoko robo yelekete. Yenama usoko robo shike. Élève les mains là où tu es si tu le peux. Élève les mains, ferme tes yeux. Et ressens la présence de Dieu là où tu es. Ressens la présence de Dieu. Ressens le Saint-Esprit te renouveler. Ressens le Saint-Esprit te toucher. Ressens le Saint-Esprit te toucher ta vie. Ressens le Saint-Esprit te fortifier. Ressens la puissance de Dieu sur ta vie maintenant. Ressens la puissance de Dieu t'impacter maintenant. Ressens la puissance de Dieu agir dans ta vie maintenant. Là où tu te trouves, lève les mains, ferme les yeux. Et ressens la présence de Dieu qui t'environne. Ressens la présence de Dieu qui t'environne. Ressens la présence de Dieu qui te touche, qui t'impacte. Ressens la présence de Dieu maintenant. Dieu n'est pas limité par les frontières. Dieu n'est pas limité par les continents. Dieu n'est pas limité par la distance. De même que tu as les mains levées en signe de victoire, en signe de réception et en signe de victoire. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche là où tu es. Et que sa présence t'envahisse.
maintenant. Lève les mains et reçois maintenant de la part du Saint-Esprit. Toi qui étais fatigué par rapport à ton travail, tu te demandes tellement, tu fais tellement d'actions, on te demande tellement de tâches au point que tu dépasses tes fonctions. Que Dieu te favorise, que Dieu renouvelle tes forces et que Dieu te favorise à l'égard de tes supérieurs. Que Dieu te touche maintenant, que Dieu te touche la fois qu'il y avait un besoin quelconque, que Dieu réponde à ton besoin, toi que dans la mort. Dans la mort qui tournait autour de toi, la mort tes finances, là il y avait la mort tes finances, là il y avait la mort dans un domaine de ta vie, là où il y avait les difficultés dans un domaine de ta vie, que Dieu t'apporte la solution, que Dieu éclaire, que Dieu t'éclaire, et quand même bien que Dieu sèche tes larmes, afin que tu vois, afin que tu entendes, afin que tu puisses percevoir les solutions qu'il a déjà prédisposées pour ta vie, qu'il te donne de voir les solutions, qui te donne de voir les solutions, qui te donne de voir les solutions. Toi qui étais dans la confusion par rapport à ta vie sentimentale, toi qui étais dans la confusion par rapport à une promesse qui t'a été donnée, par rapport à ta vie sentimentale, que Dieu t'éclaire la lumière de sa parole. Dieu ne fait aucune action, Dieu ne donne aucune action, Dieu ne fait aucune action qui ne soit contraire à sa parole. Toute promesse qui t'a été donnée, toute promesse qui t'a été donnée dans ta vie sentimentale, à qui t'éloignerait, qui ne serait pas en accord de la parole de Dieu. Que Dieu t'éclaire. Ne tombe pas dans le piège de la séduction. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui l'a placé sous ton chemin. Mais que tu puisses être éclairé à la lumière de la parole de Dieu. De même que tu as les mains levées, que la force de Dieu te soit communiquée. Que la grâce de Dieu te soit communiquée. Que vraiment que l'amour de Dieu te soit communiqué. Que la grâce de Dieu te soit communiquée. Que le courage te soit communiqué. Que Dieu te réconforte, que toi qui te sentais seul, que Dieu te réconforte, la solitude que tu pèses, qui te pèse, Dieu est là. Tout ce qui te pesait comme solitude, tout ce qui te pesait comme solitude, Dieu te dit qu'il est là, qu'il est avec toi, qu'il est là, qu'il est avec toi. Repose ton oreille, repose ta tête sur lui, repose ta tête sur lui. Korobo shakalabayala kata. Et oh Jésus, donne la paix à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans le trouble aujourd'hui, Seigneur. Quelqu'un qui est dans la confusion par rapport à son foyer. Quelqu'un qui est en train de, Seigneur, chercher à comprendre ce qui se passe. Donne-lui de comprendre. Donne-lui de réaliser. Donne-lui de voir. Quelqu'un, Seigneur, qui s'interroge par rapport à son avenir. Donne-lui de réaliser les combats et les luttes qui sont en train de l'affronter. Et les personnes qui sont là. Votre vie, dans certains domaines, n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens générationnels qui vous combattent encore. Il y a encore des liens qui vous réclament. Il y a des liens générationnels qui vous réclament du côté de votre mère ou du côté de votre père. Il y a des personnes aujourd'hui, vous ne comprenez pas votre situation sentimentale parce qu'il y a des liens qui réclament leur droit dans votre vie. Il est important que vous puissiez continuer à prier. Il est important que vous puissiez continuer à élever la voix. Il est important que vous puissiez continuer à chercher Dieu. De même que tu as les mains levées, ferme les yeux et dis Seigneur, merci. Parce que tu m'éclaires aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu me donnes la victoire. Seigneur, merci parce que tu me donnes d'aller plus loin avec toi. Seigneur, merci parce que tu as promis d'être avec moi chaque jour. Seigneur, merci parce que tu es là et tu es au rendez-vous. Et tu parles à quelqu'un encore aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que la quantité n'est pas importante pour toi. Seigneur, ce que tu regardes, c'est au cœur de ceux qui sont là pour recevoir. Seigneur, je prie maintenant et nous prions tous ensemble que tous ceux et celles qui sont là et qui sont connectés, je sais qu'il n'y a point de hasard parce que le hasard n'est pas de toi. Mais Seigneur, tu veux parler à quelqu'un, tu veux parler à une famille, tu veux parler à un fils, à une fille, tu veux parler à un serviteur, à une servante, tu veux parler à un ambassadeur, à une ambassadrice. Tu veux parler, Seigneur, à une personne qui est disposée à entendre ta voix. Tu veux parler à quelqu'un, Seigneur, qui veut aller plus loin avec toi. Tu veux parler à une personne qui est fatigué de sa situation, tu veux parler à quelqu'un qui pleure en secret, que pendant que tout le monde pense que tout va bien, mais les larmes coulent sur son visage chaque fois qu'elle rentre chez elle. Tu veux parler à quelqu'un, Seigneur, que tout le monde pense qu'elle va bien parce qu'elle sourit, parce qu'elle pense aller bien, parce que les autres voient qu'elle est dans la joie. Alors que quand elle rentre à son travail, quand elle prend le métro, quand elle prend la voiture,
Seigneur, les larmes coulent et elle rentre avec le cœur serré parce qu'elle sait qu'elle rentre dans un lieu où elle sera seule ou avec ses enfants. Et Seigneur, elle attend une réponse de ta part. Elle attend une solution de ta part. Seigneur, Seigneur, tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui afin que sa vie puisse aller de gloire en gloire avec toi, aller de dimension supérieure en dimension supérieure. Dans les temps où nous sommes, tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels. Dans les temps où nous sommes, tu ne veux pas que nous puissions être dans l'ignorance. Car l'ignorance tue. L'ignorance assujettit. L'ignorance amène la pauvreté physique et spirituelle. L'ignorance apporte une désolation totale. Mais Seigneur, tu veux parler à quelqu'un encore aujourd'hui afin que sa vie soit changée, restaurée, que sa vie puisse évoluer, progresser, avancer. Que Père, que de même que ceux et celles qui sont là aujourd'hui et ceux et celles qui entendront, Père, ce message par la suite. Père, je prie que cet Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle total, que Seigneur, je me cache derrière ta croix, je me cache derrière toi et que Seigneur, que chaque personne qui est là et qui entendra par la suite en rediffusion puisse être impactée et que sa vie ne sera plus jamais la même. Que sa vie ne sera plus jamais la même. De même que le message que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur, je prie pleinement que chaque mot, chaque parole soit conduit par ton Saint-Esprit et que tous ceux, Seigneur, qui sont là et qui entendent et qui recevront, Seigneur, puissent voir la manifestation de ta gloire dans leur vie et que, Seigneur, qu'ils ne manquent de quoi que ce soit, qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils aient la lecture prophétique des temps et des saisons, qu'ils aient la lecture prophétique dans la saison dans laquelle ils se trouvent, qu'ils aient la lecture prophétique, Seigneur, de leur vie, de la saison où ils sont positionnés, afin que, Seigneur, qu'ils puissent marcher de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès, et que quelles que soient les épreuves, les défis, les challenges et les montagnes qui se présenteront devant d'eux, qu'ils ne puissent point abandonner, qu'ils ne puissent point baisser les bras, mais qu'ils puissent aller de l'avant et puissent être des hommes et des femmes qui, Seigneur, qui ne regardent pas aux circonstances, qui ne regardent pas à l'apparence, qui ne regardent pas à ce qu'ils entendront, mais qu'ils puissent, Seigneur, être guidés par ton Saint-Esprit, avoir la sensibilité de ton Saint-Esprit et pouvoir être spirituel en tout temps et en toute saison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ferme les yeux là où tu es et répète après moi. Seigneur, je suis là pour toi. Parle-moi. Guide-moi. Et que Seigneur, que ma vie ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je rends la gloire à notre Créateur, à notre Rédempteur, à mon Dieu, notre Dieu de miracles, notre Dieu qui surpasse toute situation. Rien ne lui est caché. Je dis bien, rien n'est caché à ce Dieu. Rien n'est caché à notre Rédempteur. Rien n'est caché à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour votre présence, car je sais qu'il n'y a point de hasard. Aujourd'hui, le message que Dieu a mis sur mon cœur est un message qui est pour ta vie, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge en Christ. Que cela fasse 10 ans, 20 ans que tu connaisses le Seigneur, que cela fasse 5 ans, 1 mois, 2 ans que tu connaisses Dieu, ce message est pour ta vie. Ce message va révolutionner ta façon de voir, ta perception. Il est important dans les temps où nous sommes que tu puisses grandir, avancer, afin que tu puisses être un homme, une femme de victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je t'en prie, sois attentif, sois attentive à recevoir de la part de Dieu. Et à l'instant même que tu entendras et tu recevras, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une circonstance, nous sommes dans une période qui a bouleversé beaucoup de vies. Et nous sommes dans un temps où nous voyons que le monde est en train de changer. Le monde est en perpétuelle évolution. Le monde est dans une transition. Et on voit qu'on est dans une transition d'une ère à une autre. On est dans une nouvelle transition. Le monde évolue très, très rapidement. Ce que tu as connu il y a 20 ans n'est plus certaines situations ou encore certains objets ou encore certains métiers que tu as connus il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou certainement 60 ans. Il y a des métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Je dirais même que si nous prenons la télévision, certains ont connu la télévision avec un arrière-plan imposant ou encore avec un arrière imposant. Certains ont connu la télévision avec
une taille imposante avec un arrière imposant. Aujourd'hui, nous voyons que la télévision, qui est un objet de tous les jours, un objet d'actualité de tous les jours que nous utilisons tous les jours, aujourd'hui, la télé a évolué. Toi qui as connu la télévision grande, imposante, avec, qui prenait beaucoup de place, aujourd'hui, si tu es avec nous, tu sais très bien que la télévision aujourd'hui est un écran plat. Elle est fine, elle est mince, il y a de la place même pour la mettre en suspension. On voit même que dans cette évolution du monde, mis à part la télévision, on voit que nous avons, certains ont connu le téléphone où on mettait le doigt et on tournait pour faire le chiffre. On tournait le cadran avec le doigt pour composer ou numéroter le numéro qu'on voulait faire. Aujourd'hui, nous avons des téléphones sans fil. Avant, nous avions des téléphones avec fil. Aujourd'hui, nous avons des téléphones sans fil. Aujourd'hui, nous avons des téléphones sans antenne parce que maintenant, ils sont efficaces. Avant, tu avais des téléphones mobiles avec des grandes antennes. Quand tu prenais le téléphone, il était imposant, il était gros, il était pas fin, mais l'antenne était très grande. Aujourd'hui, nous avons des téléphones tactiles, des téléphones qui n'ont pas besoin d'antenne, mais qui sont tactiles, où on n'a même pas besoin de touche. Juste avec le doigt, on peut composer le numéro. Donc, on voit que le monde va très vite. Et cela n'est pas de très longtemps pour toi. Quand on regarde, on peut prendre également la télévision. Certains ont connu la télévision, n'est-ce pas? Certains ont connu la télévision en noir et blanc. Il y a des personnes qui sont là, qui sont connectées, qui ont connu la télévision, n'est-ce pas, en noir et blanc. Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Il y a des personnes qui ont connu la télévision en noir et blanc. Et aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège d'avoir la télévision en couleur avec de très belles qualités ou encore de très belles qualités d'image. Donc, on voit que le monde évolue. Le monde évolue à grande vitesse. Mis à part cela, certains ont connu qui sont là, les ordinateurs aussi imposants. Les ordinateurs qui prenaient pleine place sur le bureau avec de grandes tours, des tours imposantes. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs fins, mini, en miniature, des ordinateurs compacts qui sont même plus lourds. Même les portables ne sont plus lourds aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Donc, on voit que le monde est en évolution constante et très rapide. Dans toute cette évolution, quand Dieu m'a inspiré ce message, je dis, Seigneur, mais pourquoi veux-tu que nous puissions partager ce message aujourd'hui? Et Dieu m'a dit que dans le corps du Seigneur, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes, s'ils ne font pas attention, s'ils n'arrivent pas à s'adapter, s'ils n'arrivent pas à activer un certain atout dans leur vie, ils seront out, ils seront mis de côté. Ok. Nous voyons l'évolution du monde. Nous voyons l'évolution de ceux qui nous entourent. Nous voyons l'évolution de certains métiers. On voit des métiers disparaître et d'autres apparaître. Nous voyons l'évolution de certains objets qui ont disparu et d'autres pour laisser la place à d'autres. Et dans toute cette évolution, il y a un atout dont tu dois avoir. Dans toute l'évolution dont nous traversons, quel que soit ton âge, quel que soit ta catégorie sociale, quel que soit dans le domaine où tu évolues, il y a un atout dont tu dois avoir, même dans ta marche spirituelle, même dans ton évolution avec Dieu. Il y a un atout que tu dois disposer. Et quand j'ai sondé les Écritures, j'ai vu que cet atout était activé dans la vie de plusieurs hommes et femmes de Dieu dans la parole de Dieu, autrement dit dans la Bible. Quand on prend l'exemple de Saul de Tarse, autrement dit l'apôtre Paul, nous connaissons tous l'apôtre Paul qui impacte des générations et qui continue d'impacter de par son parcours. Nous connaissons tous l'histoire de Saul de Tarse qui a persécuté les chrétiens et Dieu l'a arrêté en chemin et il est devenu l'apôtre Paul et il a été celui qui a été un instrument malléable entre les mains de Dieu pour toucher plusieurs nations. L'apôtre Paul a marqué les temps et les générations et continue de les marquer de par son histoire, de par son parcours et continuera encore de les marquer. Et quand on prend l'historique de l'apôtre Paul avait une particularité dont tu as besoin. L'apôtre Paul avait un atout dont tu as besoin. L'apôtre Paul avait une caractéristique dont tu as besoin. L'apôtre Paul avait eu un talent, avait un élément dont tu as besoin dans ta marche avec Dieu, mais aussi dans ta marche, si tu es encore dans le monde séculier, ou encore dans ta marche personnelle. Mais autrement dit, cet atout, tu en as besoin, quel que soit le domaine où tu évolues, mais tu en as aussi besoin dans ta relation avec Dieu. Il s'agit de la capacité d'adaptation.
Je répète, il s'agit de la capacité d'adaptation. L'apôtre Paul avait une particularité étonnante, c'est qu'il avait une très forte capacité d'adaptation. Quand on regarde, on sent les Écritures, quand on regarde le parcours de l'apôtre Paul, il a vécu des situations terribles, il a vécu la persécution, il a vécu des trahisons, il a vécu le trouble, même la nature s'est levée contre lui à un moment donné par rapport à ses missions. Et malgré tous ses voyages missionnaires, il n'a pas laissé les bras, mais il a su s'adapter. Il a su manifester une très forte capacité d'adaptation. On peut prendre l'exemple d'Abraham. Le jour où Dieu lui dit « Lève-toi et va-t'en », Abraham a fait preuve d'une forte capacité d'adaptation aussi. Et dans les temps où nous sommes, tu as besoin de cet atout. Dans les temps où nous sommes, j'insiste et je persiste, tu as besoin de cet atout, une forte capacité d'adaptation. Trop de fils et de filles, trop d'hommes et de femmes dans le corps de Christ sont arrêtés ou sont à une situation stagnante de leur vie parce qu'ils n'ont pas activé une forte capacité d'adaptation. Il y a des peuples que dès qu'il y a un changement qui se présente, ils sont paralysés. Il y a des personnes, dès qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, dès qu'il y a une situation où vous sortez de votre confort, vous vous trouvez être comme paralysé. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Si tu ne veux pas être, faire partie de ceux qui sont mis de côté, si tu ne veux pas faire partie de ceux qui vont être mis de côté, qui vont être out pendant ta marche avec Dieu, il est important que tu actives ta capacité d'adaptation. Surtout dans les temps où nous sommes. Nous sommes dans les temps où le monde évolue à très grande vitesse. Nous sommes dans les temps où la technologie évolue à très grande vitesse. Nous voyons tous ceux et celles qui ont une soixantaine d'années ou 70, entre 50 et 70 ans. Il y a des choses, il y a des métiers que vous avez connus avant qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des métiers qui ont fait surface. Il y a même ceux qui sont dans la trentaine, la quarantaine. Vous avez vu l'évolution de plusieurs objets, de plusieurs situations ou encore de plusieurs métiers. Paul avait une forte capacité d'adaptation. Paul avait une aptitude avec laquelle il comprenait et évaluait des points différents. Paul avait une aptitude qui lui permettait de comprendre et d'évaluer même des points divergents ou des points opposés. Paul avait l'aptitude de s'adapter et d'avoir une approche en fonction des changements. Quand on regarde l'histoire de Paul, Paul s'apprêtait à partir en voyage et un instant même, la direction qu'il avait prise a été changée. Il devait changer de direction. Plusieurs fois, Paul a connu des situations où la mer l'a fait connaître, il a fait naufrage en mer. Il a fait naufrage, il a vu le bateau se briser alors qu'il partait en voyage missionnaire. Donc, Paul a connu des situations où il a été confronté à des changements soudains, des changements non préparés, des changements non avertis. Et pourtant, il ne s'est pas lamenté. Pourtant, il n'a pas abandonné la marche avec Dieu. Paul a fait face à des persécutions. Paul a fait face à des outrages. Paul a fait face à des situations où il a été flagellé. Il a été touché, accusé à tort. Et pourtant, tous ces changements, toutes ces situations imprévues, tous ces imprévus ne lui ont pas permis de se lamenter ou encore de dire « j'abandonne ». Paul avait la connaissance. Paul avait la conscience de ses forces et ses faiblesses. Et il connaissait ses limites et il connaissait les limites des peuples que Dieu lui avait donnés. Quand on voit 1 Corinthiens, nous allons aller dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 9. Allons dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 9, verset 20. Je reprends 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 20. La Bible dit que 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu. Mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, je répète. Verset 22. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, rien que ce passage démontre que Paul avait une habileté. Paul avait une capacité d'adaptation qui était importante. Paul avait une capacité d'adaptation qui était au-delà même de ce qu'on ne puisse imaginer.
Quand on regarde son parcours, quand on regarde les persécutions, quand on regarde les outrages, quand on regarde tout ce qui, toutes les fois, il était destiné à aller dans un pays, finalement, son circuit a changé, on voit que Paul avait cette habilité à s'adapter. Paul avait une aisance à évoluer en fonction du contexte, en fonction des événements, en fonction du besoin, sans pour cela se laisser impacter, infliger ou encore influencer par rapport à ses croyances et par rapport à ses missions. Paul avait gardé, savait réajuster son fonctionnement, réajuster ses stratégies afin de mener à bien sa mission alors que les circonstances avaient changé. Dieu veut que tu sois pareil également. Je répète, Dieu veut aussi que tu sois pareil. Dieu veut aussi que tu sois pareil. Parce que dans les temps où nous sommes, si tu ne sais pas t'adapter, tu vas être mis de côté. Dans les temps où nous sommes, si tu ne sais pas te réajuster, tu vas perdre pied. Dans les temps où nous sommes, si tu ne sais pas rapidement avoir une capacité comme Paul, tu vas rapidement être mis à l'écart. Que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des personnes, vous savez, si tu ne sais pas comprendre les temps, les saisons dans lesquelles tu es, tu ne pourras pas aller loin. Il y a des personnes qui pensent que l'évangile qu'ils ont connu il y a 20 ans, le mode de fonctionnement, parce que quand on voit toutes ces transitions, on voit que même la manière de l'évangile, même la manière de diffusion de l'évangile a changé. Il y a quelques années, il y a 20 ans, on parlait de l'évangile à travers des flyers, à travers la publicité, il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'évangile se répand via les réseaux sociaux. L'évangile se répand via YouTube, via Facebook, via d'autres moyens. L'évangile se répand d'une autre manière. Ceux qui, il y a 20 ans, qui ont connu le Seigneur, peuvent témoigner qu'il y a 20 ans, certains allaient évangéliser, certains donnaient des flyers, certains prenaient leur téléphone pour parler, pour inviter une personne à une conférence, pour inviter une personne à une réunion. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus privilégiés que les méthodes traditionnelles. Donc, le temps, la diffusion même de l'évangile a changé par rapport à il y a 20 ans. Même la diffusion de l'évangile a changé de mode de fonctionnement par rapport à il y a 20 ans. Donc, on voit que quand Paul s'adresse à Corinthe, ou encore à Éphèse, Paul a l'habilité à analyser rapidement la situation. Quand Paul s'est adressé à Corinthe, l'église de Corinthe connaissait des problèmes, connaissait une certaine immaturité, connaissait des troubles. Et on voit que Paul s'adresse rapidement, et il a l'habilité à analyser rapidement la situation et l'environnement. Il entend, il comprend, il comprend les différents points divergents et il se positionne. Cela traduit en d'autres termes que Paul avait une faculté, il avait une facilité à accueillir le changement. Il avait une facilité à surmonter les peurs, parce que le changement amène la peur. Il y a des personnes que quand ils voient une situation ou bien qu'elles sont confrontées à une situation, la peur vient gagner leur cœur parce qu'ils ne connaissent pas la situation. Donc on voit que Paul a su surmonter ses peurs même avant de se jeter dans une situation inconnue. Paul a accepté les nouveaux challenges. Quand Paul a vu la mer fracasser son bateau à plusieurs reprises, Paul a accepté les challenges. Paul n'a jamais abandonné. Paul a su gérer la crise, les crises au niveau de Corinthe, les crises au niveau d'Éphèse et les crises des autres peuples que Dieu lui avait confiés. Paul savait gérer ses émotions. Paul savait gérer les crises. Paul avait l'habilité de gérer les périodes de crise, de s'adapter quel que soit le contexte et l'environnement. Même quand il était accusé à tort, il a su gérer. Même quand il a été flagellé, il a su gérer. Même quand il a été mis en prison, il a su gérer. Même quand il a eu, pourtant ses émotions certainement ont été suscitées, mais il a su gérer. Même quand son bateau à plusieurs reprises, quand il prenait la mer, se fracassait, il a su gérer. Jamais dans tout son parcours, il a fait marche arrière. Pourtant, toutes les circonstances que Paul a endurées auraient pu le pousser à retourner sur ses pas et dire, j'en ai assez, je retourne à ma première fonction. Et pourtant, Paul a continué la marche.
Paul a continué à s'adapter. Paul a continué à marcher avec Dieu. Paul a continué à propager l'évangile. Paul a continué à annoncer que Jésus est Seigneur. Paul a continué à annoncer que Jésus est celui qui apporte le salut. Paul a su faire preuve d'une capacité d'adaptation. Tu as besoin de cet atout dans ta vie. Je répète, tu as besoin de cet atout dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Que tu sois dans ta vie personnelle, professionnelle et même spirituelle, tu as besoin d'avoir une forte capacité d'adaptation. Tu as besoin d'être comme Paul, comme Abraham, comme Joseph. Joseph a su s'adapter, même qu'elle a été vendue par ses frères, même qu'elle a été accusée à tort, même qu'elle s'est retrouvée en prison, il a su s'adapter. Il y a trop de fils et de filles de Dieu qui ne savent pas s'adapter aussi, ne s'adapter aux situations ou encore aux saisons par lesquelles ils traversent. Il y a trop de personnes dans le corps du Seigneur qui se retrouvent dans une vie figée, dans une vie arrêtée, dans une vie stagnante parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Le manque d'adaptation est un frein à ta vie. Le manque d'adaptation est un obstacle à ton avancement. Le manque d'adaptation est un point d'arrêt à ta vie. Il y a des personnes qui sont là. Ta vie est en mode arrêt. Ta vie est en mode stop parce que tu ne sais pas t'adapter. Ta vie est en mode arrêt. Ta vie est en mode stop parce que tu ne sais pas t'adapter. Tu ne sais pas analyser rapidement et prendre une décision. Tu as besoin d'avoir une flexibilité dans ta façon de penser, dans ta façon d'apprendre, dans ta façon d'interagir. Cela est important et capital dans les temps où nous sommes. Dans ta relation avec Dieu, dans ta vie personnelle, dans ta profession, tu as besoin d'avoir une certaine flexibilité, d'avoir une capacité d'adaptation. Pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit nous interpelle sur cela? Pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu puisses avoir, développer, activer une capacité d'adaptation importante? Pourquoi c'est important? Parce que cela en dépend de ta croissance. Cela en dépend de ta relation avec Dieu. Et cela en dépend de ta réussite. Le monde dans lequel nous sommes est en train d'évoluer à une grande vitesse. Il y a quelques années, nous étions en 3G. Aujourd'hui, nous parlons déjà de la 5G. Il y a quelques années avant, nous allons tous dans des bâtiments pour louer le Seigneur. Il a suffi qu'au moins d'une année, qu'il y ait une circonstance qui touche et qui impacte le monde entier. Aujourd'hui, la plupart des assemblées se font en virtuel. La plupart ont cherché des solutions pour permettre à ceux et celles de ne pas se décourager et de pouvoir quand même avoir une relation avec Dieu, de pouvoir quand même être nourri. Nous voyons des prêtres, des personnes, des ministres de culte de notre audience qui ont fait des cultes dans des champs de colza, qui ont fait des cultes dans des parkings, qui ont fait des cultes dans des endroits à l'extérieur pour permettre au peuple de ne pas abandonner. Le monde est en train de se réinventer en permanence. Et si tu ne suis pas la cadence, tu seras mis de côté. Cela est valable autant dans ta vie spirituelle que dans ta vie personnelle, que dans ta vie professionnelle. Il y a quelque temps, on n'utilisait pas l'ordinateur dans le milieu médical ou encore dans d'autres milieux. Aujourd'hui, cela est impératif. On utilisait le papier. Vous avez tous, certains ont connu les médecins ou encore les services hospitaliers. Que quand vous alliez dans un hôpital, voir un médecin, il écrivait dans un dossier tout ce que vous lui disiez. Il écrivait sur un papier. Aujourd'hui, tout est informatisé. Aujourd'hui, tout est dans un écran, sur un disque dur. Donc, le monde est en train d'évoluer à très grande vitesse. On peut voir, par exemple, des métiers qui ont disparu. Avant, quand on voulait imprimer un document, on allait voir l'imprimeur. Aujourd'hui, combien d'imprimeurs il y a sur la place? Aujourd'hui, combien de métiers d'imprimeurs qui existent? Combien de sociétés d'imprimeurs qui n'ont pas fermé? Aujourd'hui, pour imprimer un document, vous avez l'imprimeur, vous imprimez. Ou encore, si vous avez un document important à imprimer, vous allez de manière exceptionnelle, vous commandez sur Internet, vous vous imprimez. Les poinçonneurs, avant, existaient pour pouvoir poinçonner quelqu'un qui prenait un ticket. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Maintenant, il y a des machines. Avant, il y avait des gardiens de phare. Maintenant, ça n'existe pas. Avant, il y avait des crieurs, des dactylographes. Aujourd'hui, ces métiers n'existent pas. Ils ont laissé la place à d'autres métiers comme le community manager, comme la gestion des réseaux sociaux et bien d'autres.
Donc, il est important que tu réalises que dans ta vie, dans le parcours où tu es, que ce soit spirituel, personnel et professionnel, il est important que tu te mettes à jour. Je répète, il est important que tu puisses cliquer sur la touche mise à jour spirituelle. Quand tu prends ton ordinateur ou ton portable, il y a un moment donné, le portable ou l'ordinateur va te dire, il y a des mises à jour à effectuer. Google va te dire qu'il y a des mises à jour à effectuer. Ton portable va te signifier qu'il y a des mises à jour à effectuer. Ton ordinateur va te signifier qu'il y a des mises à jour à effectuer. Si tu es encore en un mode où tu n'es pas encore mis à jour, c'est le temps et l'heure est arrivée afin que tu puisses te mettre à jour spirituellement. Mise à jour spirituelle. Il est essentiel que tu sois capable d'apprendre et te former en permanence. Il est essentiel que tu gardes un œil ouvert par rapport à ce qui se passe. Trop souvent, les fils et les filles de Dieu n'ont aucune compréhension de la saison, de la période spirituelle, des temps, la connaissance des temps et des périodes dans lesquelles nous nous trouvons. Trop souvent, beaucoup ne gardent pas l'œil ouvert sur le monde, sur l'évolution du monde, l'évolution du travail, sur les enjeux économiques, sur la complexité, la globalité de ce qui se passe. Nous sommes dans les temps où plusieurs personnes jonglent entre plusieurs métiers. Avant, pour avoir la quiétude, certains avaient la quiétude, certains avaient la sérénité parce qu'ils avaient un CDI. Dans les temps où nous sommes, le CDI n'est même plus une valeur fiable. Et pourtant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, certains se prévalaient, certains en étaient fiers, certains étaient fiers de travailler à la fonction publique. Certains étaient fiers et même manifestaient de l'orgueil parce qu'ils étaient à la fonction publique. Certains étaient fiers d'être titulaires ou titularisés ou de travailler à la fonction publique parce qu'il y a 20 ans, c'était d'actualité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le CDI n'est même plus une valeur sûre. Tous ceux et celles en 2020 et en 2021 qui continuent de perdre leur emploi, et pourtant ils avaient un CDI, et pourtant ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient dans la structure, 20 ans, 30 ans, ils ont donné 20 ans de leur carrière, 20 ans de leur temps, 20 ans de leur effort, 20 ans de leur personne. Et aujourd'hui, ces mêmes 20 ans n'ont même plus de valeur. Parce que le CDI n'est plus une valeur fiable. Pourtant, il y a 20 ans que tu avais un CDI, certains haussaient les épaules, ils haussaient les galons, ils étaient orgueilleux, ils étaient fiers. La terre ne pouvait même plus les supporter parce qu'ils étaient à la fonction publique, parce qu'ils étaient à la PHP, parce qu'ils étaient dans une mairie quelconque. Mais à l'heure où le temps évolue, à l'heure où le monde évolue à grande vitesse, le CDI n'a plus la même valeur qu'il y a 20 ans. Hey! Donc, si tu veux rester dans la course, hey, si tu veux rester dans la course avec Dieu, si tu ne veux pas être mis de côté, femme, homme, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie personnelle et professionnelle, il te faut manifester la capacité d'adaptation. Il te faut te mettre à jour spirituellement. Il te faut être connecté spirituellement de manière permanente. Il te faut être attentif aux évolutions qui s'opèrent autour de toi. Il te faut être dans l'attention. Avant, il y a quelques années en arrière, il y a 10 ans, 20 ans, quand quelqu'un voulait aller voir un médium, un voyant, un marabout, un quimboiseur, comme vous le voulez, il se déplaçait, il se réveillait dans la nuit, il prenait sa voiture. Ça existe encore pour certaines contrées, dans certains pays, dans certaines îles. Mais à l'époque, les gens allaient et ils se déplaçaient, ils attendaient des heures et des heures pour que leur tour puisse passer. Aujourd'hui, le voyant vient à toi, à travers Facebook. Aujourd'hui, nous avons des millions de voyants sur Internet. Nous avons des millions de médiums sur les réseaux sociaux. Il y a des sites de droite et de gauche. Il y a des lignes téléphoniques. Il y a des consultations virtuelles. Il y a des téléconsultations où le voyant même vient à toi. Donc, le temps est en train d'évoluer. Mais qui aurait pensé il y a 20 ans qu'il était possible de consulter un médecin en visioconférence? Qui aurait pensé il y a 10 ans qu'on serait arrivé dans le temps où il y avait la possibilité de voir un médecin, d'avoir une consultation médicale en visioconférence? Et pourtant, nous le sommes aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé, maintenant, on peut consulter un médecin en visioconférence. Maintenant, on peut avoir une prescription médicale en visioconférence. Donc, le monde est en train de changer, d'évoluer.
Et pendant que cette évolution s'opère, il est de ta responsabilité de t'adapter. Il est de ta responsabilité d'apprendre, d'échanger, de pouvoir vraiment t'adapter. Paul s'est adapté. Paul s'est adapté. Quand on voit les Écritures, je t'invite à sonder les Écritures. Je t'invite à aller sonder le parcours de Paul, d'aller étudier comment Paul a évolué. Paul s'est adapté par rapport à ce qu'il a vécu. Paul s'est adapté aux circonstances, aux événements, sans jamais lâcher la main de Dieu, sans jamais lâcher ses croyances, sa mission. Il s'est adapté. Abraham s'est adapté. Joseph s'est adapté. Si tu ne t'adaptes pas dans les temps où nous sommes, ton manque d'adaptabilité témoignera de carence dans ta vie, témoignera de carence au niveau de tes aptitudes. Je peux prendre l'exemple d'Israël rapidement. Israël s'est retrouvé face à la mer Rouge, dans le désert. Israël s'est retrouvé dans les plaines de lamentations parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Vous savez, une personne qui ne sait pas s'adapter, elle est toujours en train de se plaindre. Une personne qui n'a pas l'envie et qui se retrouve face à un changement et se retrouve face à une situation où elle sort de confort, elle n'a pas envie de faire d'efforts pour comprendre ou pour avancer, cette personne se retrouvera dans une carence totale. Quand une personne ne s'adapte pas, elle se définit par les plaintes, elle se définit par des lamentations, elle se définit par le fait de vivre dans le passé. Toute personne qui ne s'adapte pas, toute personne qui n'active pas sa capacité d'adaptation est toujours dans le fait de se plaindre, est toujours dans l'action de se plaindre, est toujours dans l'action de se lamenter, est toujours dans l'action de vivre dans le passé. Il y a des personnes qui sont là, tu m'entends, et ceux qui m'entendront par la suite. Tu es toujours dans le passé. Il y a 10 ans, il y avait ci. Il y a 20 ans, il y avait ci. Ah, hier était mieux qu'aujourd'hui. Arrêtez de toujours vivre dans le passé. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de toujours être dans le regret du passé. Arrête de toujours regretter la période de ton enfance, la période de ton adolescence, la période de ton âge de jeune adulte. Arrête de vivre dans le passé. Chaque fois que tu vis dans le passé, chaque fois que tu regrettes le passé, tu es en train de toi-même paralyser ton avenir. Tu es même toi-même en train de paralyser ta propre vie. Parce que toute fois que tu regardes dans le passé, toute fois que tu regrettes ton passé, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas t'adapter. Avez-vous déjà vu quelqu'un avancer en conduisant une voiture en regardant en arrière? Je n'ai jamais encore vu cela. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un prendre le volant d'une voiture et conduire dans une direction en allant en avant et regarder son visage en arrière? Il ne pourra pas avancer. Tôt ou tard, il va se cogner à un arbre, il va se cogner à une autre voiture, mais il va faire un accident et il va s'arrêter. Et sa vie sera en mode stop. Ou encore sa vie, il va périr. Parce que toutefois qu'il regarde en arrière et qu'il ne regarde pas ce qu'il fait en avant, il fait un accident grave, il va périr. Il va périr. Donc arrête de regretter le passé. Arrête de dire que dans mon temps, c'était mieux. Il y a des gens, vous êtes toujours dans les lamentations, dans les plaintes. Dans mon temps, c'était mieux. Dans mon temps, c'était mieux. On avait une meilleure enfance, une meilleure adolescence, un meilleur âge adulte, et ceci et cela. Dans mon temps, c'était mieux. Arrête de vivre dans le passé. Parce qu'en vivant dans le passé, en arrêtant le passé, tu fais toi-même de ta vie une statue de sel. Tu fais de toi-même de ta vie une vie paralysée. Tu fais toi-même de ta vie une vie figée. Tu fais toi-même de ta vie une vie stagnante, une vie qui n'évolue pas, une vie qui ne s'adapte pas, une vie qui ne peut pas aller plus loin, une vie qui ne peut pas progresser. Arrête de regretter le passé. Le passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Le passé est passé. Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Arrête de vivre dans le passé. Le temps que tu as connu est expiré. Le temps que tu as connu à ton enfance, à ton adolescence, est expiré. Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle évolution. Rappelle-toi de la femme de Lot. On lui a dit de ne pas se regarder en arrière. À l'instant même où on l'a regardé en arrière, sa vie a été bouleversée et est devenue statue de sel. Toute personne qui prend son temps à regretter les temps du passé ne peut pas avancer, ne peut pas progresser, ne peut pas évoluer et ne peut pas s'adapter au changement actuel, au changement
au niveau spirituel, au niveau personnel et professionnel. Toi-même, de par ton comportement, en vivant dans le passé, en regrettant le passé, tu es en train de figer ta vie. Tu es en train de paralyser ta vie. Tu es en train de stagner ta vie. Tu es en train de ne pas permettre à ce que tu puisses avancer, ni progresser, ni aller plus loin. Parce que tu es encore au passé. Tu regrettes, tu es dans les plaintes, les lamentations. La vie d'hier est d'hier, elle est en arrière. Comment peux-tu évoluer en ayant toujours les yeux en arrière dans ton dos? Comment peux-tu évoluer si tes yeux sont toujours en arrière? Il faut que tu puisses te projeter en avant. Il y a des personnes qui sont toujours dans le passé. Il y a 10 ans, c'était mieux. Oui, il y a 10 ans, c'était mieux, mais nous ne sommes plus il y a 10 ans. Il faut t'adapter à la situation actuelle. Il y a 20 ans, c'était mieux. Ah, vraiment. Si tu ne te réajustes pas, tu seras sur le banc des out. Tu seras sur les bancs des personnes qui misent à l'écart. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand il y a eu la période de confinement, il y a eu des milliers d'églises aujourd'hui, même si les églises, certaines églises se sont ouvertes. Mais il y a eu des milliers d'églises qui ont fermé. Je connais plusieurs hommes et femmes de Dieu qui avaient des salles sur la région parisienne, qui aujourd'hui ne l'ont plus, ou encore ont dû changer. Pourquoi? Parce que pendant cette période de confinement, beaucoup ne se sont pas adaptés. Beaucoup n'ont pas cherché à comprendre ce qui se passait, pensant que ça allait se terminer très rapidement. Il y a des personnes aujourd'hui, leur ministère n'existe plus. Parce qu'ils ont attaché leur ministère à une salle. Ils ont attaché leur ministère à un bâtiment. Et n'ont pas su s'adapter. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus le ministère parce qu'ils n'ont plus d'église. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre ce qui se passait. Ils n'ont pas eu la lecture prophétique des temps et des saisons dans lesquels nous étions. Beaucoup ont compris bien après, mais il était déjà trop tard. Beaucoup, effectivement, ont perdu leur salle parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, ils n'avaient pas d'assises financières pour pouvoir payer la salle, même en étant fermés. Donc, il est important que tu puisses apprendre à t'adapter. Ceux qui se sont adaptés ont continué. On a vu pendant cette période des personnes qui ont cherché toutes sortes de moyens pour pouvoir permettre à ce que le peuple puisse encore recevoir de la nourriture, puisse encore recevoir de la part de Dieu. Il y a des personnes qui aujourd'hui auront du mal à retourner dans une assemblée de peur des conséquences du coronavirus et bien d'autres. Mais donc il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement. Et je dirais même tous ceux-mêmes qui ont continué avec Dieu via le virtuel, n'ont pas fermé parce qu'ils ont su s'adapter. Ils ont su s'adapter. Les temps évoluent. Il faut que tu apprennes à t'adapter. Il faut que tu apprennes à t'adapter. Jésus a su s'adapter. Quand il allait à la montagne, quand il voyageait, il savait s'adapter aux circonstances. Quand il y a des peuples, malheureusement, de par le confort, de par l'éducation qu'ils ont reçue, de par l'éducation parentale, ont du mal à activer cet atout. Mais je t'encourage, toi qui en m'entends et qui me regardes, à demander à Dieu que cet atout soit activé dans ta vie. Parce que tu en as besoin pour ta vie actuelle, pour ta vie future. Surtout vu l'évolution rapide de ce monde, vu l'évolution rapide de tout ce qui se passe autour de nous. Il faut que tu apprennes à activer ta capacité d'adaptation. Paul est un exemple. Abraham est un exemple. Joseph est un exemple. Ils ont su s'adapter malgré ce qu'ils ont enduré. Ils n'ont jamais lâché prise. Il y a des personnes qui ont vécu même pas le quart de ce que Paul a subi et qui ont lâché la main de Dieu. Il y a des personnes qui ont vécu le confinement, qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui ont lâché la main de Dieu. Qui ont arrêté de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas compris la saison dans laquelle nous traversons. Ils n'ont pas compris la transition dans laquelle nous étions en train de passer. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à prier, n'arrivent même plus à chercher Dieu parce qu'ils étaient tellement attachés, ils n'avaient pas de relation réelle avec Dieu. Et le jour où ils se sont retrouvés tout seuls, ils n'ont pas su s'adapter. Mais quand tu as la capacité d'adaptation, je répète, quand tu as la capacité d'adaptation, ta vie est autrement.
ta perception est autrement. Tu as une aisance à construire. Tu as une aisance face aux challenges. Tu as une aisance face aux critiques. C'est-à-dire que tu as une aisance à être dans la construction, dans les critiques comme dans les décisions. Tu as une aisance, tu as une facilité à aborder les challenges. Tu as une facilité avec à affronter ce qui te fait face avec une énergie positive. Même s'il ne semble pas avoir de solution, mais tu es convaincu en toi-même qu'il y a une solution. Et tu es en train de frapper à toutes les portes avec persévérance jusqu'à trouver la solution. Quand tu as la capacité d'adaptation, tu as une aisance à être actif et proactif rapidement. Quand tu as la capacité d'adaptation qui est activée en toi, ton attitude est positive face au changement. Tu n'es pas dans la complainte comme Israël. Tu n'es pas dans la plainte, tu n'es pas dans le regret. Israël était dans le regret de ne pas être resté en Égypte. Et pourtant, Israël a vu la main de Dieu. Israël a crié plus de 400 ans à Dieu, « Seigneur, délivre-nous ». Mais le jour où Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, et que Dieu, ils ont vu la main de Dieu agir en leur faveur à travers les différentes plaies, et qu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, ils ont été les premiers à être dans le regret. Le regret du joug de la souffrance. Ils ont été les premiers à être dans le regret de ne pas être nourris. Ils ont été les premiers à être dans le regret de faire face à la mer Rouge. Et pourtant, ils ont vu la main de Dieu. Combien de fois parmi nous, il y a des personnes qui sont dans le regret des temps passés, le regret du monde, le regret des temps où ils faisaient la java, ils faisaient la fête. Combien de personnes parmi nous, des fils et des filles de Dieu, sont dans le regret de ne pas vivre ce qu'ils ont vécu parce qu'ils sont dans les souffrances actuelles. Certainement, tu fais face à la mer Rouge. Certainement, tu as des difficultés actuelles. Mais au plus profond de ton cœur, et Dieu connaît et sonde ton cœur, tu es dans le regret parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu vivais une belle vie. Tu es dans le regret de la vie que tu menais avant. Tu es dans le regret de la vie que tu menais à danser. Tu es dans le regret de la gloire que tu avais connue. Tu es dans le regret. Mais comment peux-tu avancer si tu es dans le regret? Comment peux-tu évoluer si tu es dans le regret? Au contraire, active, demande à Dieu d'activer ta capacité d'adaptation. Demande à Dieu d'activer ta capacité d'adaptation afin que ce qui te fait face, tu puisses être rempli d'une attitude remplie d'énergie afin de maîtriser la situation. Parce que Dieu a mis en toi la maîtrise, Dieu a mis en toi les capacités, Dieu a mis en toi les talents, Dieu a mis en toi tous les éléments dont tu as besoin afin de renverser la montagne qui te fait face. Quand ta capacité d'adaptation est activée, tu as une capacité à modifier les plans, les décisions. Pourquoi? Écoutez, Abraham n'avait pas programmé de partir. Abraham n'avait pas programmé de partir. Dieu lui a dit, lève-toi et pars. Il a exécuté. Joseph n'avait pas programmé d'être vendu par sa famille. Joseph n'avait pas programmé de se retrouver en prison. Joseph n'avait pas programmé de se retrouver dans la maison de Potiphar. Et pourtant, il a su s'adapter. Face à toutes ces différentes circonstances et événements, il a su modifier ses plans. Il a su modifier ses décisions. Il a su adapter, arranger ses projets. Il a su gérer la crise. Paul, le grand Paul, que nous évoquons tous, nous parlons toujours de Paul et Silas, Paul et plein d'autres. Mais ils avaient une forte capacité d'adaptation. Parce que quand les circonstances arrivaient, ils géraient la crise. Ils géraient ils prenaient des décisions en urgence. Combien de fois on voit Paul qui s'apprête à aller en mission vers une contrée et il y a une circonstance qui arrive. À l'instant même, sa trajectoire a changé, il s'en va ailleurs. Donc, Paul avait la rapidité, la capacité à réajuster ses plans, à réajuster ses décisions, à réajuster les projets et les missions que Dieu lui avait confiées. Il avait la capacité, l'attitude et l'aptitude à décider dans l'urgence. Mais toi, quand une situation arrive, tu réfléchis à 20 fois avant de décider. Tu réfléchis à 50 fois. Tu as besoin d'avoir l'aval, le réaval, le suraval, la confirmation, la surconfirmation, la sur-sur-sur-confirmation de X, de Y, de Z pour pouvoir agir. Mais comment peux-tu avancer dans des circonstances pareilles? Quand ta capacité d'adaptation est activée,
La nouveauté vient avec enthousiasme. Même si cela te sort de ton confort, mais tu accueilles la nouveauté avec enthousiasme parce que tu as l'envie, l'envie de surmonter cela. Tu as la personne qui a une bonne capacité ou encore une forte capacité d'adaptation, elle sait gérer ses émotions. Combien de fois tu ne sais pas gérer tes émotions? Quand il y a des situations d'urgence qui arrivent, tu es dans la complainte, tu es dans la plainte, tu es dans la tristesse, tu es dans la lamentation, tu es dans la critique. Parce que tu ne sais pas gérer tes émotions et parce que tu ne sais pas t'adapter. Quand tu as une forte capacité d'adaptation, tu as la capacité, tu as l'aptitude de demander et de recevoir de l'aide. Quelqu'un dont sa capacité d'adaptation est activée saura demander de l'aide. Parce que là où elle reconnaît qu'elle est défaillante, là où elle connaît qu'elle est faible, elle saura demander avec humilité, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Quelqu'un qui a une capacité d'adaptation qui est activée saura demander de l'aide et recevoir de l'aide. Parce qu'elle reconnaît ses faiblesses, elle reconnaît ses manquements. Quand on regarde Paul, Paul avait des compagnons, Paul avait Silas, il avait Tychique. Allez lire en Actes 20, verset 4. Allez lire en Éphésiens 6, verset 21. Allez lire en Colossiens 4. Allez lire en Timothée. Paul avait Timothée, il avait Tychique, il avait des personnes qui l'accompagnaient dans cette mission. Parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Paul avait aussi Priscille et Aquilas. Donc, il y a des moments où il arrive que même si ta capacité est forte, tu as besoin d'aide pour avancer. Tu as besoin d'aide pour pouvoir recevoir, tu as besoin de recevoir de l'aide. Tu as besoin de demander de l'aide parce que tu reconnais que tu es défaillant dans un domaine. Une personne qui est défaillante dans un domaine, quand elle reconnaît ses faiblesses et ses manquements, elle ira demander afin de pouvoir avancer, progresser, évoluer. Mardochée a demandé de l'aide à Esther. Je répète, Mardochée a demandé de l'aide à Esther par rapport au peuple juif. Mardochée aurait pu essayer de résoudre le problème par ses propres moyens. Mais Mardochée connaissait ses limites. Mardochée connaissait ses limitations. Il connaissait ses faiblesses. Il connaissait ses manquements. Il savait que son pouvoir là était limité. Donc il a fait appel à Esther pour pouvoir répondre en faveur du peuple juif. Il a demandé de l'aide. Il a su s'adapter. Pourtant, il était dans la cour royale. Donc, même si tu es dans la cour royale, même si tu es auprès du roi, quand ta capacité d'adaptation est activée, tu sais demander de l'aide. Amen, amen, amen. Donc, Dieu veut que tu puisses t'adapter. Si tu n'apprends pas et tu ne prends pas conscience que dans les temps où nous sommes, en 2021 et dans les années à venir, qu'il faut que tu t'adaptes au niveau professionnel, au niveau personnel, et même au niveau spirituel, tu seras sur le banc des mises à l'écart. Tu seras sur les bancs des mises à côté. Tu seras sur les bancs de ceux qui n'évoluent pas. Tu seras sur le banc de ceux qui ne progressent pas. Tu seras sur le banc de ceux, le banc des oubliés. Mais je crois que si Dieu parle de ça aujourd'hui, quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, pourquoi veux-tu qu'on partage ce message? Et il m'a dit clairement, mes enfants ne veulent pas s'adapter. Mes enfants sont réticents. Ils sont dans un confort. Ils se confondent à la situation dans laquelle ils sont. Ils ont du mal à déployer cette capacité d'adaptation comme Abraham, comme Joseph, comme Paul. Dieu veut que tu actives cela dans ta vie. Dieu veut que tu actives cela dans ta vie. Tu sais, une personne qui réussit, une personne qui arrive à réussir et une personne qui survit, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus fortes. Ce ne sont pas les personnes qui sont les plus intelligentes, mais ce sont celles qui savent s'adapter. Ce sont celles qui savent s'adapter le mieux au changement. Une personne qui réussit ou qui vit ou survit dans la vie, ce n'est pas à cause de son intelligence, ce n'est pas seulement à cause de sa force, mais c'est parce qu'elle a su s'adapter au changement. Paul a réussi, et nous parlons tous de Paul depuis des générations.
Cela fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu es en Christ, ou plusieurs années que tu es en Christ, tu as toujours entendu parler de Paul. Et Paul continuera à marquer les temps, les âges et les générations. La force de Paul, l'une des forces de Paul, était sa capacité d'adaptation. Était sa forte capacité d'adaptation. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait la tempête, que le bateau se brise, qu'il fait naufrage ou pas naufrage, il était en train de s'adapter. Qu'on l'accuse à tort ou pas, il s'adaptait. Qu'on le passe devant le juge ou pas, il s'adaptait. Qu'il est accusé à tort ou pas, il s'adaptait. Qu'il soit mis en prison ou pas, il s'adaptait. Imaginez-vous que même en prison, Dieu l'a utilisé pour que des vies soient sauvées. Donc, il s'adaptait. Paul, quand on regarde la vie de Paul qui était remplie de des situations éprouvantes, de situations où nous aurons tous et toutes certainement abandonné, Paul s'adaptait. Il n'a jamais laissé tomber. Il n'a jamais rebroussé chemin. Il n'a jamais fait marche arrière. Il n'a jamais dit assez, ça n'est assez. Il s'est adapté. Et Dieu veut que tu t'adaptes. Dieu veut que dans les temps où tu te trouves, dans la saison où tu te trouves, quelle que soit la saison spirituelle dans laquelle tu te trouves, il y a des personnes, spirituellement, vous êtes dans un hiver. Spirituellement, vous êtes dans un hiver spirituel ou encore dans un automne spirituel ou encore dans un été spirituel ou encore dans un printemps spirituel. Mais quelle que soit la saison où tu te trouves, dans la saison de floraison ou de non-floraison, dans le désert ou dans une autre situation, Dieu veut que tu t'adaptes. Daniel s'est adapté dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego se sont adaptés. Allez lire l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi leur a dit de l'adorer, ils ont dit non. Mais nous, il n'y a pas de souci, mets-nous dans la fournaise. Nous savons que le Dieu que nous servons nous délivrera. Ils ont su s'adapter. Quand ta capacité d'adaptation est forte et que tu en as conscience, mais quelle que soit la situation qui te fait face, tu sais en qui tu as cru. Même si les circonstances semblent défavorables à l'œil humain vis-à-vis de toi, même si les circonstances parlent en ta défaveur, même si tu vis l'injustice, même si tu vis des situations où tu es dans une situation où tu vis l'injustice, où tu vis des situations où c'est toi qui as raison, même Shadrach, Meshach et Abednego savaient que c'était injuste qu'il vivait. Mais ils ont dit au roi, il n'y a pas de souci, mets-nous dans la fournaise. Nous savons en qui nous avons cru. Ils avaient une forte capacité d'adaptation. Dieu veut que tu puisses déployer, Dieu veut que tu puisses activer cette capacité. Si elle était encore endormie, si elle était encore en mode sourdine, si elle n'était pas encore en mise à jour, Dieu veut que tu puisses la remettre à jour. Dieu veut que tu puisses, dans les temps où nous sommes, que tu puisses t'adapter afin que tu puisses marquer les temps et les générations. Celui qui s'adapte verra la gloire de Dieu. Celui qui n'est pas en train de regretter son passé verra la gloire de Dieu. Celui qui comprend la saison dans laquelle il se trouve, et qui veut et qui aspire à avancer, demandera à Dieu d'activer sa capacité d'adaptation. Parce que dans les temps où nous sommes, qui évoluent à grande vitesse, si tu es dans le regret, le passé, dans les années 1900 et etc., tu ne pourras pas évoluer. Toi-même, par ton comportement, par ton langage, tu vas figer ta vie, tu vas paralyser ta vie, tu ne pourras pas aller plus loin que là où tu te trouves. Il y a des personnes aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le passé. Votre vie est figée. Votre vie est paralysée par vos pensées, par votre état d'esprit, par votre mindset, par votre façon de penser, de réfléchir. Parce que vous regrettez les temps où vous avez connu Dieu. Vous regrettez les temps où l'évangile, il y avait des réunions de puissance, des réunions où vous regrettez tout ce genre de réunions. Mais nous sommes dans les temps où Dieu continue d'agir. Mais il faut que tu t'adaptes. Les mêmes esprits qui étaient sur la terre il y a 20 ans, ce ne sont pas les mêmes esprits qu'aujourd'hui. Les mêmes esprits qui opèrent dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui
n'ont pas le même mode opératoire d'il y a 20 ans. Il y a une trentaine d'années, ou encore une quarantaine d'années, les personnes qui avaient accès aux films pornographiques étaient des personnes qui avaient payé une chaîne de télévision. Ils avaient payé un coût supplémentaire pour avoir accès à ce type de film. Aujourd'hui, il te suffit juste de cliquer sur une image dont tu ne sais même pas et tu as un film pornographique ou encore tu as une image pornographique qui apparaît sur ton téléphone portable. Et pourtant, il y a 30 ans de cela, 40 ans de cela, les enfants n'avaient pas accès à ce type de film. Les enfants, tout était sécurisé afin que seuls les parents ou que seuls les adultes puissent avoir accès à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les Facebook, comment on appelle ça, les sex Facebook ou je ne sais quoi, tout ce qui a trait, tout est configuré par rapport au sexe, on voit que les enfants ont accès à la sexualité très rapidement. Et pourtant, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Pourtant, il y a 40 ans, un enfant n'avait pas ce type de connaissance. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans parlent de nudes. Aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode, on parle de nudes. Des enfants qui savent déjà qu'est-ce que la sexualité, savent déjà, pratiquent même déjà la sexualité, ont accès déjà même à la sexualité. Alors qu'il y a 40 ans, 30 ans, c'était des éléments qui étaient sécurisés. Pour vous dire que le monde évolue très rapidement. Le monde évolue très rapidement. Donc, apprends à t'adapter. Apprends à adapter ta vie spirituelle. Apprends à comprendre les saisons avant la lecture des saisons dans lesquelles tu te trouves. Apprends et demande à Dieu d'activer ta capacité d'adaptation. Sinon, tu vas te retrouver sur le banc des oubliés. Sinon, ta vie ne va pas évoluer. Sinon, ta vie ne sera que regret sur regret. Passé sur passé, paralysie sur paralysie, vie figée sur vie figée. Parce que quand une personne est paralysée, elle ne peut pas avancer. Quand une personne ne peut pas évoluer, elle ne peut pas progresser. Une personne qui est dans une situation stagnante, elle ne peut pas aller plus loin que là où elle est. Une personne qui marche en regardant derrière elle et qui continue d'avancer en regardant derrière elle, elle fera un accident. Et le jour où elle fait l'accident, elle ne pourra pas progresser parce que soit elle aura un membre blessé, soit elle aura un organe blessé, ou encore sa vie sera complètement détruite. Donc, il est temps, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la fonction que tu as dans le corps de Christ, d'activer, de demander à Dieu d'activer ta capacité d'adaptation. Que tu sois comme Paul, que vis-à-vis des circonstances que tu vois, que tu entends, que tu puisses avoir l'habilité de réfléchir rapidement, d'agir rapidement, de changer ta stratégie rapidement. On peut prendre l'exemple du directeur d'Amazon ou encore du propriétaire d'Amazon. Le propriétaire d'Amazon fut pendant un moment l'homme le plus riche au monde. Pourquoi? Parce qu'il a su adapter son concept. Il a su adapter son entreprise. Et il a été pendant quelques mois l'homme le plus riche au monde. Parce qu'il a su revoir sa stratégie. Et l'habilité de revoir tes stratégies dans ta marche avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta marche professionnel, on t'a marche personnelle et tu verras certainement que tu pourras avancer et progresser. Trop de personnes se retrouvent figées, paralysées parce qu'elles ne réalisent pas que le monde évolue et que dans toute cette évolution, que Dieu veut que nous puissions nous adapter. Dieu veut que nous puissions déployer et activer notre forte capacité d'adaptation. Donc si réellement tu te reconnais dans ce message, si réellement tu prends conscience que tu es défaillant, que tu es déficient, que tu es faible à ce niveau et que tu n'arrives pas à avancer, tu n'as pas encore compris dans quelle période, dans quelle saison, tu n'as pas encore compris vers où, vers quelle destination que Dieu veut t'emmener, je t'invite à fermer les yeux là où tu es et à demander à Dieu d'activer cela dans ta vie. Élève la voix, merci Seigneur, élève la voix, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Même si tu es un ministre, il y a des ministres que je connais personnellement aujourd'hui qui n'ont plus de ministère parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Pour eux, ça n'allait pas durer longtemps. Donc vraiment, élève la voix, dis Seigneur, que la capacité d'adaptation que tu as mis en moi s'active.
afin que je ne sois pas sur le bord des oubliés, afin que ma vie ne soit pas stagnante, afin que ma vie ne soit pas paralysée, afin que je ne sois pas une statue de sel. Mais au contraire, donne-moi, déploie en moi cette forte capacité d'adaptation afin que je puisse progresser, afin que je puisse évoluer, afin que je puisse avancer dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons. Élève la voix là où tu es. Nous te rendons toute la gloire. Et Seigneur, je veux te bénir, te magnifier, t'exalter pour le privilège que nous avons aujourd'hui. Car tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui interpelle, tu es le Dieu qui pointe le doigt sur les choses cachées. Beaucoup de tes enfants, beaucoup de tes fils et tes filles aujourd'hui ont une vie paralysée, ont une vie figée, ont une vie stagnante, ont une vie qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, parce qu'ils n'ont pas eu la lecture prophétique, parce qu'ils n'ont pas eu la compréhension que dans les temps où nous sommes, dans les temps où nous sommes positionnés, il faut avoir une forte capacité d'adaptation. Seigneur, il y a quelqu'un qui me disait un jour, voire plusieurs jours, il faut que tu aies une capacité d'adaptation. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. À l'époque, cela n'avait aucune signification pour moi. Mais les temps ont démontré, Père, que dans ces temps d'apprentissage, dans ces temps d'épreuves, dans ces temps, Seigneur, où j'étais en phase d'apprentissage, tu as montré que, Père, que cela est plus que nécessaire. Père, je te rends toute la gloire et toute la reconnaissance. Parce que dans cette période où tu m'as appris à avoir une capacité d'adaptation, de par cette personne, à comprendre et réaliser le comment et le pourquoi, je veux te rendre toute la gloire pour cela. Je veux te rendre toute la reconnaissance pour cela. Car tu es le Dieu qui connaît toutes choses, tu es le Dieu qui a la connaissance, l'omniscience, l'omniprésence sur tout un chacun et sur toute situation. Je veux te bénir pleinement, Père, pour cette période, Seigneur, et je te rends toute la gloire pour ces moments passés. Seigneur, merci parce que tous ceux et celles aujourd'hui qui reconnaissent qu'ils sont défaillants, qui reconnaissent qu'ils ont une faiblesse à ce niveau, qui reconnaissent, Seigneur, qu'ils sont sur le banc des oubliés, le banc des paralysés, le banc des gens qui des vies stagnantes. Que Père, que tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui, qui se reconnaissent, donne-leur, Père, que leur capacité, que cet atout en eux soit activé à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Père, que même s'il y avait la peur du changement, même s'il y avait la peur de l'inconnu, que la peur ne soit pas, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils puissent avoir la gestion de leur émotion, que dans les temps de crise, dans les temps d'urgence, dans les périodes difficiles, qu'ils ne puissent pas regarder à tout cela, mais qu'ils aient la sérénité, le calme. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans une période de crise. Quand le roi leur a annoncé qu'ils allaient être mis dans la fournaise ardente, c'était un temps, un moment émotionnel. Parce que c'était leur vie qui était en péril. Car ils savaient pertinemment que, humainement parlant, ils n'allaient pas en ressortir. Mais malgré ce temps de crise, malgré cette période où Shadrach, Meshach et Abednego, Seigneur, ont eu un moment, Seigneur, où certainement, peut-être que la peur les avait envahis, mais ils ont eu confiance en toi. Ils ont su s'adapter. Et ils ont su en qui ils avaient cru en toi. Que Père, que quelqu'un aujourd'hui, qui est dans une fournaise ardente, qui est en train, Seigneur, d'être dans une fournaise ardente, donne-lui, Père, d'être dans le calme et la sérénité. Donne-lui d'être dans la tranquillité, dans le nom de Jésus. Et malgré cette fournaise ardente, donne-lui d'avoir la conviction, l'assurance, la foi et la détermination et la confiance en toi que tu lui délivreras, que tu leur délivreras. Car tu as délivré Shadrach, Meshach et Abednego et le feu ne les a pas touchés. Le feu n'a pas brûlé leurs vêtements. Ils sont restés intacts. Ils sont restés, Seigneur, intacts. Aucun feu n'a touché ni leurs cheveux, ni leurs vêtements, ni leurs chaussures. Ils sont ressortis indemnes de cette situation. Que Père, que quelqu'un qui passe par une situation pareille, quelqu'un qui passe par une situation identique, par quel que soit le domaine de sa vie, donne-lui, Seigneur, de s'adapter et de mettre sa confiance en toi et qu'il puisse avoir l'assurance que rien ne lui arrivera, que rien ne l'impactera. Qu'aucun feu ne le touchera, qu'aucun feu ne brûlera ses vêtements, qu'aucun feu ne brûlera ses cheveux, qu'aucun feu ne brûlera ses chaussures, mais qu'il sortira indemne dans la gloire avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui ou celle qui est dans la fosse au lion, que Seigneur, qu'il y a peur que le lion puisse les manger. Que Père, je prie comme Daniel, Seigneur, avait l'assurance et s'est adapté également. Donne à cette personne
personne, Seigneur, de sortir intact de cette fosse. Et quel que soit, Seigneur, ce qui est dit et ce qui se dira, que cette personne puisse voir ta gloire. Que, Seigneur, que quelqu'un puisse avoir cette forte capacité comme Paul. Que, quelles que soient les circonstances, qu'il puisse en sortir victorieux et victorieuse. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'il puisse en ressortir dans la victoire et afin que ton nom soit élevé, glorifié et magnifié. Que, Seigneur, que toute personne ici présente qui reconnaît, Père, qu'elle n'a pas cette capacité, qu'elle n'a pas cette aptitude, qu'elle n'a pas cette habilité, Seigneur, à s'adapter. Donne-lui que cet atout soit activé maintenant, que ce soit dans sa vie spirituelle, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle, afin que ton nom seul soit glorifié, magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je prie que le Seigneur vous donne cette force, qu'il vous donne vraiment que cette capacité, que cette habilité soit activée dans votre vie et que vous puissiez aller de gloire en gloire, de succès en succès. Parce que dans les temps où nous sommes, tu en as besoin. Tu en as besoin et cela est très important. Je dis bien que tu en as besoin. Ta réussite dépend de ta capacité d'adaptation. Ta réussite, ton succès dépend de ton habilité à t'adapter aux événements que tu rencontreras, aux montagnes qui te feront face, aux challenges qui se présenteront devant toi, aux pièges qui te feront face, aux complots qui seront contre ta vie et également à toute situation de la vie qui se présenteront devant toi. Ta capacité d'adaptation. Il fut un temps où je faisais partie de ceux et celles qui ne comprenaient pas pourquoi. Il fut un temps, je le témoigne aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, il y a une personne qui me disait souvent capacité d'adaptation, capacité d'adaptation. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais je bénis le Seigneur parce que cela a été édifiant. Ce temps, cette période, aujourd'hui je comprends. Aujourd'hui, plusieurs années après, je comprends. Tu as besoin de cela dans ta vie. Dans la marche avec Dieu, il faut savoir t'adapter. Je répète, dans la marche avec Dieu, au niveau spirituel, il faut savoir t'adapter. Parce qu'il y a un temps, on peut prendre l'exemple de Joseph et Marie. Rapidement, je prends l'exemple et nous allons clôturer. Joseph et Marie se sont adaptés. Pourquoi? Parce que quand Jésus a pris naissance et que la vie de Jésus était menacée, l'ange est venu et l'ange a dit à Joseph, « Lève-toi et partez et fuyez. » Joseph et Marie ont su s'adapter. Ils auraient pu dire non, on reste là, pourquoi devons-nous partir? Mais ils ont su s'adapter. Ils ont su écouter l'instruction de l'ange. Et ils sont partis et ils ont fui la sentence qu'Hérode avait déjà prononcée afin de tuer les enfants. Donc, quand tu as la connaissance, quand tu as la conscience, quand il faut marcher avec Dieu, il faut savoir t'adapter. Cela veut dire quoi? Dieu peut te dire de prendre une direction. Mais toi, tu n'as pas la visibilité sur ce qui est en face de toi. Toi, tu ne vois pas le danger qui est en train de venir en face de toi. Toi, tu ne vois pas l'accident, tu ne vois pas l'incident, tu ne vois pas le piège ou le complot qui est face à toi. Et tu te dis, change de chemin. Il faut avoir une forte capacité d'adaptation pour pouvoir écouter Dieu et exécuter l'instruction de Dieu pour changer de chemin. Si tu n'as pas cette forte capacité, tu vas te retrouver dans une situation que tu ne pourras pas gérer ou encore que de façon inattendue. Donc, quand tu marches avec Dieu, il faut être prêt. Il faut être prêt à s'adapter. Parce que Dieu a le pouvoir, a la connaissance. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait ce qui s'opère au-devant de toi. Il sait ce qui s'opère autour de toi. Il sait ce qui s'environne autour de toi. Il connaît les cœurs de tout homme, toute personne qui t'environne. Quand il te dit, c'est par toi et que plus tard tu te rends compte que tu ne l'as pas fait, tu te rends compte le pourquoi auquel Dieu t'avait dit de te séparer. Mais il est déjà trop tard. Donc quand tu marches avec Dieu, la marche avec Dieu aussi, la réussite de la marche avec Dieu est aussi l'une des clés, je vais plutôt dire l'atout ou encore l'une des clés pour réussir la marche avec Dieu, c'est savoir s'adapter, avoir une forte capacité d'adaptation. Avoir une forte capacité d'adaptation. À l'instant même où Dieu donne l'instruction de pouvoir exécuter et s'adapter. Donc,
Dieu n'est pas un Dieu figé. Il connaît, il sait et il connaît vraiment toutes choses. Sache t'adapter. Aie une forte capacité d'adaptation en toutes circonstances, en toute saison, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie maintenant pour la fin, pour tous ceux et celles qui sont là. Je prie maintenant que Dieu vous bénisse à tout égard, que vous ayez une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que vous puissiez apprendre à vous adapter chaque jour jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher afin que son nom soit glorifié, magnifié et exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux et celles qui veulent bénir, qui ont donné leur offrande durant la semaine, que Dieu vous bénisse à tout égard, que vos mains soient dans l'abondance, que tout ce que vous touchez soit dans la surabondance, que vous ne manquez de rien. Que Dieu vous ouvre les portes, je dis Ephata dans le nom de Jésus. Je dis et décrète et déclare Ephata par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous surprenne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que vous honorez Dieu par vos dîmes et vos offrandes, que Dieu vous honore également afin que vous puissiez témoigner de sa fidélité à votre égard dans le nom de Jésus. Que la grâce et la grandeur de Dieu se manifestent dans votre vie, que sa bonté se manifeste chaque jour et que vous puissiez revenir et témoignage puissant pour la gloire de son nom et que l'honneur lui revienne en toutes circonstances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Je vous dis excellent dimanche. Bon appétit à ceux qui vont manger. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, 15h heure France, France-Afrique et 10h Caraïbes-Canada. Pensez à inviter quelqu'un. Soyez au rendez-vous. Si vous avez un témoignage, témoignez de ce que Jésus a opéré pour votre vie. Et nous nous retrouvons bientôt ensemble pour célébrer le Seigneur et passer une excellente semaine dans sa présence. Attachez-vous à lui et adaptez-vous. Ayez une forte capacité d'adaptation. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne durant chaque jour de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.